Fur et Furax sur ETC, Isaac sur Lily, Rilonit sur Jaina et Fizu sur Johanna. Alors moi, Fur et Furax, je suis... Fur et Furax. Ah, Fur et Furax, t'es trop chaud. Trop chaud pour le Fur et Furax. Oh ouais, clairement. Bon, du coup, hein, au niveau des talents, rien de très surprenant, à part peut-être le bribe, hein, le pot de vin qui sera récupéré par la Lusei. Effectivement, le rock progressif ouais, sur voilà le TC. Non, mais c'est exactement, j'allais dire, à part le à rock part. Progressif sur le TC et le build qui s'annonce orienté sur les serpents, sur la Lily, ce qui sera un peu étrange à mon avis, mais pourquoi pas. Yes. Allez, sur cette mid lane, on arrive directement Fur et Furax à l'engage sur son ETC. La Johanna qui rattrape tout ça. On va mettre un maximum de dégâts de la part du Ticus là-dessus. Oh, on a pris cher quand même. Hein. Bah, on a pris cher, écoute, oui. Après, là, on va devoir repartir un peu sur les lanes. Essayer peut-être d'arrêter ce roaming. Quoique, ils ont l'air d'apprécier ce style-là. Ils ont l'air de roam enfin, entre la mid lane et la top lane. Attention, par contre, Fur et Furax, la petite agression. Par contre, il n'y a personne en bot lane depuis le début. C'est pas la botline yeah. Ah du coup Zagara. Non ils avaient... ouais, oui il y a Zagara mais du côté des frogs il y a personne par si contre. Si Jaina il redescend apparemment ah, ouais. On a Jaina qui arrive. Allez les shrines qui sont up en top lane. On a donc le quadro le quatuor qui arrive en top lane du côté des espagnols. Et effectivement on avance un peu. Après, on va revenir hein, sur la middle lane du côté du Tassadar de Shade et on va faire des rotations plutôt correctes. Attention par contre, Morden qui va se faire agresser directement par Soussou. On va sortir directement le Anubara qui va à l'agression sur la Johanna. Soussou qui prend très très cher là-dessus. Qui va le voir sortir du teamfight. Ouais, Soussou qui va sortir. C'est Fizu qui va tomber sur sa Johanna à sa place. Isaac qui a plus du tout de mana. Et c'est ça aurait été peut-être le moment de le kill. Le dragon qui est disponible pour les VVVV. La team espagnole, Fur et Furax qui veille au grain hein, sur cette statue dragon. On va empêcher Shade de récupérer tout ça. Oh, botlane, attention, Rilanit qui prend très très cher là-dessus. Red DX qui va tomber la Jaina et c'est tombé. Bah écoute, il arrive à prendre un contre 1 contre la Jaina, c'est assez original. En tout cas, ils ont récupéré le premier Drake de la game à 2 minutes 20 de la game. Oh, à 2 minutes 20, t'as un premier Drake. En général, t'es plutôt bien là. Hein. Oh, Fur et Furax qui a pris beaucoup de dégâts. Qui a pris énormément de dégâts là-dessus. Attention quand même, hein, Fur et Furax. Ça fait très très mal. Oh, le dragon qui finalement prend très cher. Hein, qui va pas faire grand-chose. Hein. Bah, il de toute façon, hein, un dragon à 2 minutes 49 de game. En général, ça fait pas grand-chose. On peut pas faire beaucoup de dégâts. On a une bonne rotation sur la top lane. Hein. Tu as vu la Sylvanas qui a permis le push de fou sur ce fort T1 top lane. Ça, par contre, c'est un bon dragon du coup. Un dragon qui occupe l'adversaire sur la mid lane pendant qu'on prend la top lane. C'est une bonne utilisation de ce dragon. Effectivement, hein, on va essayer de rentrer un peu dans le tas là-dessus. Par contre, Shade qui ici va poke un peu le TC. Le TC qui prend quelques dégâts au final, Fur et Furax. il est obligé de repartir. Hein. Il a plus de mana. Il peut pas utiliser ses spells pour pouvoir se bouger un peu plus rapidement. Il est plus très furé que ça le furet. Hein. Ouais, attention, oh, là, par contre, Soussou qui va prendre il prend un trek là. Ça va être chaud. C'est le kill! Oh, c'est le kill! Ah, c'est le kill sur la Johanna! Bien joué ça! Très très bien joué pendant qu'en mid lane, on a Soussou qui est en train de se battre contre Shad. Mais là, Shad, en fait, il se retrouve pris au dépourvu parce qu'en fait, Soussou a pris un talent auquel il s'attendait pas. Il a pris l'assaut vampirique. Ouais. Il se fait tuer quand même, hein, mais voilà, il a tenu un peu plus longtemps hein. En duel. Ah là là, le pauvre Soussou qui s'est fait avoir en duel là-dessus. Alors on devrait partir sur un Odin normalement avec l'assaut vampirique. Hein. Tu m'adresses si je me trompe. Ça. Oh, l'engage ici de Fur et Furax là-dessus. Dipelino qui est obligé de out. Morden qui va bait tout ça. Voilà. C'est vrai que Morden là il a fait le petit bait de l'espace. Il est carrément allé à l'intérieur des lignes ennemies pour pouvoir repartir après ça. Il a sauvé son petit VP Leno et puis Morden il a encore son E donc il va pouvoir partir tranquillement. On bouge beaucoup à 5 hein, du côté des Français mais le problème c'est qu'on oublie de prendre l'XP tout simplement. On oublie l'XP en fait sur les lanes ouais. Parce que là on a Shade. Oh Shade, attention Shade qui va se faire peut-être catch ici. Est-ce qu'on va prendre le kill sur Shade? On a encore le E qui pourrait arriver, voilà. Aucun souci, normalement Shade devrait s'en sortir là-dessus. Mais attention, Fizu qui s'avance un peu trop là-dessus, du Pelino qui veillait au grain.
Oh, et Cyril Hanit qui est complètement out of position là-dessus, qui se fait complètement attraper. C'est dommage. Dommage, la Jaina qui se fait complètement dépop là-dessus. Soussou qui se fait attraper par Morden également. Les kills qui pleuvent pour la team espagnole. La team française qui se fait complètement rouler dessus. Furet Furax qui prend la sauce et qui tombe également. Oh le mur! Ah le mur! Putain, ça dort! Oh, c'est dégueulasse! Ah ouais, ouais, chouette, tu vas sortir le beau jeu. Le petit snipe qui a été tenté par la Sylvanas. Ça ne passera pas malheureusement. Mais après, on a 5 minutes de jeu. Il y a 2 T1 en moins. On est déjà sur le T2. Niveau 10 à 6 quand même. Ouais. Niveau 10 à 6, la différence d'XP elle est là. Hein. J'avoue, c'est chaud. J'avoue, c'est tendu. Oh le mur, encore une fois! Beau plays là de la part de Shade! Et ça prend. Ah, wow. Ça fait le taf! Ça fait le taf pour le mur là! XP, les kills. Effectivement. Bah là, elle était niveau 11 à 6, hein, donc ça va pas te rapporter grand chose, c'est sûr. Ouais. Oh, ça prend cher, hein, ça prend cher. Côté Frog, French Revolution Gaming, ça c'est la révolution? Effectivement, bah c'est la révolution dans un style tout à fait particulier. La révolution de la méta. Oh, attention Thunder quand même ici qui va peut-être se faire attraper. Non, en fait on est 11, normalement on résiste assez bien. Oh, ah, c'est dommage, très dommage ce qu'il a fait. Il aurait pu juste dash heal sur quelqu'un. Ouais, c'est ce que je pensais. Sur le, ouais. Il aurait pu dash heal. Surtout qu'il y avait, il y avait qui? Il y avait Sylvanas qui arrivait à Morden qui arrivait là de ce côté-là. Ah oui, c'est pour ça, il aurait juste pu dash et puis il aurait été safe. Voilà, il a voulu essayer de TP, malheureusement ça passe pas du tout. Hein. Ouais, par contre, directeur chat qui va se faire agresser. Oh, ça fait mal, ça fait. Oh le mur! Oh le mur dégueulasse, encore une fois, qui vient bloquer Soussou là-dessus. La Jaina qui devrait tomber normalement. On la focus. Vipeleo qui est dessus. Oui, ça y est, elle tombe. Isaac également sur sa Lily. C'est Furet Furax qui va prendre le focus. En fait, il n'y a même plus de focus. Maintenant, c'est de la foule, du full AOE sur la team ennemie. Et on est en train de tuer une vague de creep ici sur la bot lane. En train de tuer une vague de creep. L'énorme annonce de chaise. Non, mais les vagues de creep, c'était les joueurs. On va pas partir sur les T2. Oui, je me doute bien. C'est pour ça. Ça me fait rire. On va aller chercher, le T2 du coup. Du côté des Espagnols, bon, à 7022 de jeu, t'es en train de siéger le T2, tu te dis il y a un problème hein, quand même. Très clairement. Hein. Ouais, ça fait mal. Oh. Dommage, parce que là, on aurait pu faire quelque chose effectivement avec la Johanna si elle avait bien. Oh, Itzaki qui va encore se faire catch ici. Out of position. Et pourtant, ils ont deux tanks. Oh, le petit mur encore de Shade là-dessus. On va essayer de choper Furet Furax, mais ça ne passera pas. Est-ce qu'on va tenter de finir sans le dragon? Je pense, Soussou qui va prendre les dégâts encore une fois, qui tombe. Pitsu également qui prend les dégâts et qui tombe. Bon, ouais, est-ce que Vipelino par contre ça va être chaud là, Vipelino. Oh, Vipelino qui va éventuellement, même pas. Ouais, voilà. Est-ce que c'est le match en 8 minutes? Est-ce que c'est le match en 8 minutes? Bah écoute, je pense qu'il y a moyen que ça le soit en tout cas. La promote qui a été utilisée sur les archers là, histoire de tanker encore un peu plus. 96% sur le corps. On tente d'un côté. Oh là là là, les dégâts qui sont posés sur Soussou encore une fois, ça fait tellement mal. Et c'est Furax qui se fait attraper là-dessus. Ils ont pas encore les ultis malheureusement. Ils peuvent même pas tenter un pogo ETC. La mot dégueulasse de Red X là-dessus qui a complètement fail. Le beau mur, encore le très beau wall de Shade. C'est marrant ce wall, hein. il le joue pas mal. Hein. Bah, écoute, le wall qui peut faire quelques plays tout de même, hein. Ça peut faire la petite différence. Directement essayer d'aller prendre ce corps, 66%. On siège le corps, hein. C'est, on siège le corps, c'est ça. Tout à fait nouvelle, hein. On siège le corps. Tant qu'il n'y a pas les ultimes, de toute façon, du côté des Français, ils sont tranquilles. Ouais, c'est ça, ils ont rien à craindre, et en plus, ils ont le niveau 13, ils vont avoir. Oh, par contre, Soussou, la cheat going directement. Bon, hein, ça va être... Et le mur encore qui fait la différence, ça pue beaucoup de vie là. Soussou également. Ça tombe 34% sur le corps, 31%, 24%, et ça va être la game. Du coup, remportée en 9 minutes. Voilà, 9 minutes 30, on va être pas mal. 6% sur le corps. On va terminer ça tranquillement. Et voilà, la victoire game. Victoire des BVVVV. Belle partie. Logique, hein. Après, logique. On...